Allez, fiston, il est temps de s'activer. Oh là, vas-y doucement quand même. Garde un peu de force pour le reste de la journée. Alors, t'as demandé à maman pour notre partie de chasse? Oui, mais tu connais ta mère. Il y a certaines choses qu'elle ne veut même pas entendre. Elle trouve que t'es encore un peu jeune. Oh, papa, il faut absolument que t'arrives à la persuader. Mmh. On est presque arrivé à la fin de la saison et j'aurais même pas tenté ma chance. Allez, t'en fais pas. On finira bien par se la mettre dans la poche. Ouais. Mais pour ça, faut surtout pas se faire attendre au petit déjeuner. Chris, tu vas arriver en retard à l'école. Où est-ce que tu étais passé? Oh, j'étais juste derrière la maison. Ça va, Titi? Arrête de donner à manger à ce perroquet. Tu vas finir par en faire un gros patapouf complètement impotent. Jour, maman. Ils ont décalé la répétition du spectacle. Je pourrais déposer Chris à la maison, mais je pourrais pas rester avec lui. Oh non, Bobili, comment je vais faire, moi, hein? Je peux pas chaque jour quitter le travail avant l'heure. Chris peut bien rester un moment tout seul. Mais oui, maman, c'est vrai. J'arriverai bien à le débrouiller quand même. Non, j'y tiens pas. Patsy, il serait temps que tu te renseignes sur l'âge de ton fils. Il a largement celui de rester tout seul. Et aussi, celui d'accompagner son père à la chasse ce week-end. Ah, c'est drôle. Quand il s'agit de m'embobiner, vous faites un duo épatant. Tu sais, on n'est jamais trop nombreux pour venir à bout de toi. Eh, va-t'en. À ce soir. Amuse-toi bien. Et toi, ne bouge pas d'ici, Chris. Non, je t'emmène à l'école dans une minute. Maman? Tu le couvres beaucoup trop. Moi, je prenais le bus toute seule à son âge. Oui, j'étais toujours à la maison quand tu rentrais. Je veux que tu attendes qu'il soit à l'intérieur avant de filer à la répétition. D'accord. Oups, c'est l'heure. Maman veut surtout pas que tu bouges de la maison. D'accord. Alors tu fermes toutes les portes et tu te mets à tes devoirs. Pourquoi est-ce que vous êtes toujours en train de me traiter comme si j'étais un gamin? Parce que tu es un gamin. Et mange pas la glace, c'est pour le dessert. Ouais, d'accord. Alors, Titi, t'as passé une chouette journée? Oh, la mienne a été plutôt bonne. Ouais, la tienne aussi? C'est ça que tu dis? Bien. Attendez un peu, vous autres. Nous pouvons régler ça pacifiquement. Thank you.
bien. Quoi? Allez, il vaut mieux qu'on se tire. Arrête de déconner. Allez, on va se tout seul, moi je me casse. Allez, allez, on se tire. C'est du gâteau. J'en ai rien à foutre de ta punition. Ouais, c'est ça. Maintenant, Chichi. Y a plus rien. Ils sont partis, Chichi. T'as plus à avoir peur. Cette baraque attend seulement qu'on se la fasse. Et moi, je te dis qu'il y a un truc qui me démange jusqu'à la racine des cheveux. Il y a forcément une merde. Ça doit être ta couleur jaune, PD, qui t'a fait ça. T'es pas de mon avis, Trace. Hé hey, tu te calmes. Tu m'ouvres un peu trop pour un mec qui débute, Rainy. Trace m'aurait pas emmené si j'avais pas été prêt. Je suis prêt, ça non? Va maintenant, la ferme. Bon, allez, on y retourne. Chargez les catapultes. Je suis sûr qu'il y a une alarme. Oh, c'est pas vrai, il y en a partout. Hey, toi, tu comprends pas ce qu'on te dit. Le monsieur veut que tu l'appelles. Ah, si t'arrêtes pas, tu comptes dans le cou. Tu veux un gâteau, Jaco? Non, t'as envie de finir à la broche, Jaco? Allez, allez, viens que je te bouffe. Tout le monde à table. Aujourd'hui, il y a de la volaille. Qu'est-ce que tu fous? Mais il m'a mordu. Qu'est-ce que tu fous? Ah!
revenir. Je suis sûr qu'ils vont revenir. Au secours! Chose, Fred? Non, attends. C'est fini. C'est fini, mon garçon. On est là maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que j'ai blessé la césame. Où est-ce qu'il en est? C'est fini. Il y en a un autre dans la voiture. Couvrez-moi. D'accord. C'est du sérieux, on dirait. Cookson, vous devez sûrement vous tromper. Est-ce qu'il vit encore? Non. Allez, on va rentrer un petit moment tous les deux, d'accord? Hein? Je veux voir maman! Oui, maman! T'as plus rien à craindre, mon garçon. Chris. Oh mon Dieu, non. Près de la voiture. Il est mort? Ah oui, tout ce qu'il est mort. Chris! Et celui-là? Deux balles dans la cage thoracique. Résultat? Une dans le poumon, une dans le cœur. Bon, emmenez-le. Chris! Bobby, amène ça par Chris! Ici. Une seconde, madame. Laissez-moi, attention, je veux voir mon fils. Laissez-moi passer. Dégagez. Oui, j'ai quelque chose là. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Où est mon fils? Dans la pièce à côté.
Ils doivent lui poser quelques questions. Ils ont été surpris à l'intérieur par le jeune Lang. Maman! Oh, tu n'as rien, mon chéri. Réponds-moi. Tu n'as rien. Réponds-moi, mon ange. Non, Patsy. Maman, j'ai rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi ce qui s'est passé. J'ai été obligée de tirer sur eux. Ils voulaient me tuer. Mais qui? Qui voulait te tuer, mon Patsy, amour? Vous devez nous laisser seuls avec lui un moment. Nous avons besoin de savoir ce qui s'est exactement passé ici. Tu es sûr que tout va bien? Franck, venez. Oh, je suis là. Emmenez-la ailleurs. Oui. Ils voulaient faire du mal à Titi. Il faut que je l'interroge, madame. Est-ce que quelqu'un a prévenu son père? Nous l'avons appelé à son travail. Sois courageux, mon ange. Ça ne prendra pas longtemps. Je ne suis pas loin. Sois courageux. Continue, mon garçon. Je t'écoute. Ils étaient immenses. Vraiment immenses. Et ils avaient tous de très longues barbes rouges. Des barbes rouges? Après, j'ai vu le troisième homme s'enfuir dans les bois. Il y en avait un troisième? Oui, monsieur. Il attendait près de la voiture. Il n'est pas entré avec les deux autres. Bon, il nous faut une équipe de recherche avec des chiens et tout le tintouin. Et tout de suite. Envoyez-nous une équipe de recherche. Dites-leur de se manier. Oui, tout de suite. Chris? Oh. Ça va, ma chérie? Oui, ça va, mais c'est Chris. Il faudrait que tu ailles dehors, ils ont besoin de toi. Bon, dis-leur que j'arrive dans 2 minutes. OK. Vos gars m'ont dit qu'on avait été cambriolés. Oui, mais... Écoutez-moi. Bobby Lee... Le petit a été très secoué. Après ça, ça me paraît normal. Je ne sais pas s'il le sait déjà, mais j'ai pensé que c'était plutôt à vous de lui dire ça. Lui dire quoi? Il a tué deux de ses hommes avec sa carabine. Il l'habitait sur eux. Je ne voulais pas faire ça, papa. Je ne voulais pas le tuer. Je sais, fiston. Il ne faut plus y penser maintenant. Je ne voulais pas faire ça. Je ne voulais pas faire ça. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Ce qu'il fallait faire. Papa. Les gars, nous sommes actuellement. Allez-y tout de suite. Le petit a dit qu'il était parti de ce côté. Descendez jusqu'à la rivière. Non, attendez une minute là. Est-ce que vous êtes sérieusement en train de me dire qu'il pourrait être inculpé pour ce qu'il a fait? Qu'est-ce que vous racontez? C'est ridicule. Je suis persuadée que vous savez comme moi que ce garçon n'a rien fait de mal. Et personne ne viendra me dire le contraire. Non, il ne faisait que défendre la maison de son père. Je n'ai pas dit qu'il serait inculpé à coup sûr. Ces types-là ont passé leur temps à entrer et sortir de prison depuis qu'ils ont 14 ans. Cambriolage, attaque à main armée. Non, pour moi, votre fils n'avait pas tellement le choix. Et il s'en est bien tiré. Bon, j'ai quelque chose pour vous. Une liste de psychothérapeutes s'occupant spécialement des personnes ayant subi ce type de traumatisme. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'un psy? Après ce genre d'événement, il peut arriver que l'esprit de certains s'embrouille un peu. C'est insensé. Ce gamin est un héros. Je ne vois pas ce qu'il aurait comme problème. Vous faites comme vous voulez, Bobby Lee. C'est à vous de voir. Donnez-moi cette liste. Ça peut toujours servir. On ne sait pas. Tout ça, c'est du pipeau et tu le sais très bien. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé devant une affaire comme celle-là avec un petit garçon qui met deux voleurs hors d'état de nuire? Pour moi, c'est une première. Alors dites-moi ce qu'un psy à la noix peut faire de plus que nous, hein? La voilà, Brad. Très bien, merci. On va garder ça pour compléter l'enquête, mais on vous la rendra dès que ça sera fini. J'espère bien, c'est un cadeau d'anniversaire. Brad, pourriez-vous nous dire un mot sur le petit garçon? Comment se sent-il après tout ça? Non, Jeff, pas maintenant. Oh, juste un mot. Non, Jeff. Brad. Et pour l'autre, celui qui s'est enfui? Les chiens sont sur sa piste. Si on va s'accrocher à lui jusqu'à ce qu'on le coince. Et une fois qu'on l'aura pris, vous n'entendrez plus parler de lui pendant longtemps. C'est lui qui sera poursuivi pour meurtre dans cette affaire, vu qu'il y a eu mort d'homme survenu durant l'accomplissement d'un crime. Là, vous n'avez plus qu'à le retrouver. Oui. Si Chris voulait ajouter quoi que ce soit à sa description, ça ne pourrait que nous aider. Voilà mon numéro personnel. Vous pouvez m'appeler n'importe quand. Très bien. Monsieur, je voudrais seulement vous serrer la main.
Vous êtes le père d'un modèle de petit garçon. Ça, vous pouvez le dire. Et vous pouvez compter sur moi. Je m'arrangerai pour avoir un œil sur votre maison en permanence. Merci beaucoup. Je crois que tout le monde se sentira beaucoup mieux en dormant ici cette nuit. Tu ne veux vraiment rien manger, tu es sûr? Chris. Tu sais, c'est moi le responsable de tout ça. Je n'aurais jamais dû te laisser tout seul. Non, maman, c'est pas de ta faute. J'ai mis une planche en attendant de remplacer la fenêtre. Laisse-le dormir un peu maintenant. Je trouve que j'ai bien de la chance d'avoir un fils aussi courageux. Merci. Essaie de bien dormir. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, fils. Bonne nuit, pas. Ce ne serait jamais arrivé si tu ne lui avais pas offert cette saleté de carabine. Et qu'est-ce qui serait arrivé s'il ne l'avait pas eu? Qui sait ce que ces types auraient pu lui faire? C'est plutôt une très bonne chose qu'il ait pu se défendre. Ce n'est qu'un enfant de 11 ans. C'est nous qui sommes là pour le protéger. Ce n'est sûrement pas le contraire. Durant toute la nuit, l'histoire de Christopher Holland a retenu l'attention de tous les Américains. Des journalistes venus des quatre coins du pays ont élu domicile sur leur pelouse dans l'espoir d'obtenir une déclaration de la famille. Mais la porte des Holland est restée close depuis le départ de la police. Personne n'a pu leur parler, personne n'a pu seulement les voir. Oui, 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 nous allons tous très bien. Oui, merci, c'est très gentil de nous avoir appelés. Oui, et nous aussi, nous sommes très fiers de Chris. Entendu? Alors, à bientôt. Allez, il faut que tu manges. Oh, regarde-moi ça. Pour un peu, il passerait par la cheminée. Janelle, ne reste pas à la fenêtre. C'est vraiment pas la peine d'encourager ces journalistes. C'était ton institutrice au téléphone. Elle dit que tu n'as aucun souci à te faire et que tout le monde à l'école est impatient de te revoir. Je me suis arrangée avec Monsieur Jones pour te remplacer auprès de tes principaux clients jusqu'à ce que tu puisses reprendre le travail. Je me demande comment j'aurais fait sans toi. Chérie, ça nous ramène loin en arrière. Il faut que tu manges quelque chose, mon chéri. Tu n'as strictement rien avalé depuis le déjeuner d'hier. J'y vais. Et surtout pas de journaliste, hein. Oh, bonjour. Entrez. Bonjour, Patty. Bonjour, Lenny. Davy était très inquiet pour Chris, alors on vient juste voir si on peut faire quelque chose pour vous. Oh, c'est très gentil. Ça va comme tu veux, Chris? Ouais, ça va bien. J'ai vu ta maison à la télé avec tous les policiers autour. Oh, tu peux pas t'imaginer le nombre de coups de fil qu'on a reçus ce matin. Janelle, va donc chercher une tasse pour que Lonnie puisse boire un café. Je m'en occupe. Ah, non, non, merci. Non, on voudrait pas vous déranger. Bande de vautours, lâche pas le morceau. Salut, Lenny. Il y a longtemps qu'on t'avait vu. Comment ça va, Bobby Lee? Pas mal, pas mal. C'est pas rien ce qu'a fait ce petit, hein?
Tu sais, je suis allé à la quincaillerie et le vieux Grady a jamais voulu que je paye. Tout le monde t'est reconnaissant de ce que t'as fait, fiston. Ouais, bon. Faut que j'emmène Davy à l'école, mais... Je voudrais que tu saches que si tu éprouvais le besoin de parler à quelqu'un, je suis là. J'ai eu une petite expérience de ce que t'as vécu. Merci, mais beaucoup de gens sont là pour lui remonter le moral. Ils s'en sortent très bien. Ouais. Enfin, en tout cas, je suis pas loin. Tu m'entends, Chris? À tout à l'heure à l'école, hein? Ouais, au revoir. Au revoir. Qu'est-ce qu'il veut exactement? Il se montre pas pendant des années et tout d'un coup, le voilà qui s'amène en essayant de grappiller un peu de la gloire de mon fils? Non, c'était à cause du Vietnam. Il faisait partie de ces gars qui avaient du mal à s'en remettre. Ouais, moi tout ce que j'ai vu, c'est un type revenir avec un chapelet de médailles et qui d'un seul coup s'est trouvé trop bien pour sortir avec ses vieux copains. On a pour combien de temps encore? Trace a eu comme un gros pépin. Il s'est fait descendre avec Corbett. Je suis au courant. J'ai rien pu faire, Earl. Cette ordure de gamin tirait dans tous les sens. Je veux pas qu'on en parle. Tant que Trace n'est pas enterré. Le médecin légiste a rendu les résultats de son enquête en accord avec le procureur, voilà. L'affaire est définitivement classée. C'est une nouvelle. Oh, c'est fini, mon amour. Chris n'a plus de soucis à se faire. Aucun individu sensé n'aurait pu prévoir autre chose. Approche, fiston. Tu as été parfait. Au fait, Chris, tous ces journalistes n'arrêtent pas de me casser les pieds. Ils aimeraient que tu leur fasses une petite déclaration, tu veux? Non, je ne crois pas, non. Ma chérie, je crois qu'on ferait mieux de leur parler si on veut qu'ils déguerpissent de notre pelouse et du même coup de notre vie. Tu viens avec nous, Chris? Non. Alors debout, Janelle, on va y aller ensemble. Et voilà! S'il vous plaît, Madame Hollande. Beaucoup de gens disent que Chris est un héros. Qu'en pensez-vous? Bien, je ne sais pas trop. C'est tout de même le genre de choses qui n'arrive pas tous les jours et qui arrive d'habitude dans les grandes villes. Monsieur, est-ce que votre fils est un héros? Évidemment que c'est un héros. Il faut avoir du courage pour faire ce qu'il a fait. Et je ne connais pas beaucoup d'adultes qui en auraient été capables. Mais il est toujours tragique que les gens meurent ainsi. Et nous sommes simplement heureux que ce n'ait pas été notre fils. Comment va-t-il? Il va bien, il va très bien. Mais nous préférons que vous ne lui parliez pas pour l'instant. Madame Hollande. Il y a plusieurs chaînes de télévision qui me réclament l'enregistrement de ton appel à la police. Tu veux que je le leur donne? Je savais pas qu'on m'avait enregistré. On enregistre tous les appels. Parce qu'il arrive souvent qu'après l'événement, les choses aient tendance à s'embrouiller dans la tête des gens. Quelle chose? Oh, toutes sortes de choses. Toi, par exemple, tu m'as bien dit que ces hommes étaient armés. Mais nous, on n'a pas trouvé d'armes sur eux. Moi, je les ai vus avec des armes. J'avais très peur. Chris. Il faut que tu sois franc, tu sais, avec moi. Si je te montrais quelques photos, est-ce que tu crois que tu pourrais reconnaître celui qui s'est enfui? Je suis pas sûr. Ok, t'en fais pas pour ça. Est-ce que vous êtes obligé de donner cet enregistrement? Je crois que... Ça pourrait faire de la peine à mes parents.
Le leur remettre ou non dépend seulement de notre bon vouloir. Si tu me demandes de ne pas le faire, je ne le ferai pas. Et tu ne veux pas que je le leur donne? Allez bien maintenant, Janet. Madame, je voudrais vous dire une chose pour que vous ne doutiez jamais que votre fils a bien agi. Cet homme, Trace Cookson, il y a 3 ans, je l'ai surpris en train de me cambrioler. Il a pris un couteau de cuisine. Et il m'a fait ça. La police fait son travail et si vous voulez des renseignements... Oh mon Dieu, quelle horreur! Ne craignez-vous pas que cette famille ne cherche à venger la mort de ses complices? Vous pouvez dire à votre fils que je le remercie. J'aurais aimé faire moi-même ce qu'il a fait. Il a évité à beaucoup de braves gens de subir le même sort. Merci beaucoup. Je vous remercie pour Chris. Maman, ces types sont des brutes. Il faut que la police retrouve celui qui s'est enfui. On va quand même pas rester tranquille dans cette maison en attendant que l'autre vienne. Ils vont retrouver. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Papa, fais quelque chose. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur Lemont. Ta mère et ta sœur n'arrêtent pas de penser à ce troisième type. Et elles y penseront jusqu'à ce que la police l'attrape. Tu devrais essayer de te concentrer pour te souvenir de la tête qu'il avait. Je l'ai seulement vu de loin. Lui, il n'est pas entré. Non, Chris, il faut que tu fasses un petit effort. En attendant, je te rends ta carabine. Tu as prouvé que tu étais suffisamment responsable pour en avoir une. Merci. Je suis vraiment fier de toi, fiston. Maintenant, je sais que tu feras tout ce que moi, j'ai pas eu la chance de faire. L'université, peut-être même qu'en plus, tu pourras avoir une bourse pour faire du foot. Mais c'est arrivé, c'est tout. C'est pas tout le monde qui aurait pu le faire. Tu sais, il faut pas être n'importe qui. Mais bon, on va pas rester là-dessus pendant des années. On va reprendre notre train-train quotidien. Est-ce que tu te sens prêt à retourner à l'école? Oui, bien sûr. Janelle ne veut plus se présenter à l'élection de Miss Interlycée, mais je tiens vraiment à ce qu'elle le fasse. Elle rêve quasiment de ça depuis qu'elle est entrée au lycée. Et je crois que ce serait bien qu'on y aille tous pour l'encourager. D'accord. Bien. C'est nous, les hommes de la famille. On doit montrer qu'on est solide et... continuer le chemin sans broncher. Le procureur Michaelis a établi que le jeune garçon était en accord avec ses droits en défendant son domicile, en ajoutant qu'il s'agissait d'un cas de légitime défense. Il ne sera donc retenu aucune charge contre lui. Merde, moi ça me donne envie de gerber, de voir qu'il y a 2 sortes de justice dans ce pays. Ouais, il y a leur justice, et il y a ma justice. Mais la musique passe son petit. Rappelle-toi qu'un policier sera là pour veiller sur toi jusqu'à ce que je vienne te chercher. Alors tu ne sors de l'école que lorsque tu le vois. Compris? D'accord. À ce soir. Hé, Chris, attends, je vais rentrer avec toi. Je partirai quand tu seras rentré, vas-y. T'as un garde du corps? T'as vu
vraiment été super. C'était mieux que Schwarzenegger. Bam, bam, bam. Génial. Oh, allez, viens. Bonjour, Chris. Je suis contente de te revoir ici. Merci. Allez. Bonjour, Chris. Bonjour. Merci beaucoup. Allez, regagnez vos places maintenant. Sortez les devoirs de maths que vous aviez à rendre aujourd'hui et faites-les passer devant, s'il vous plaît. Allez, allez, plus vite, plus vite. Deuxième groupe. Allez, les enfants, bougez-vous. Allez, tout le monde en ligne. Allez, toi en ligne, mais qu'est-ce que c'est que ça? Devant les gradins. Alignement. Bon, taisez-vous. J'ai fait le choix d'un nouveau capitaine pour cette année. Il s'agit de quelqu'un qui m'a prouvé qu'il avait l'étoffe d'un chef. Quelqu'un qui sait toujours garder la tête froide. Chris Holland, voudrais-tu sortir des rangs, s'il te plaît? Oh, il aime même pas le football. C'est parce qu'il est passé à la télé, c'est pas autre chose. Allez, Chris, viens par ici. T'as fait du bon travail, mon garçon. Qui sait, tu finiras peut-être président. Allez! Qu'est-ce qui se passe? Le grand héros a plus rien dans le ventre! Ferme-la, Samy! Fiche-moi la paix! Qu'est-ce que tu vas me faire sinon, hein? Tu vas me descendre, moi aussi! Ça suffit, Samy. Sors du terrain. Oh non, monsieur. C'est lui qui a commencé. J'ai dit sur la touche, c'est compris? Ça va? Oui. Allez, viens, reprends ta place. Remise en jeu, vite, vite. Attends, regarde. Tu viens un peu chez moi? Non, je peux pas, maman veut que je rentre à la maison. Qu'est-ce qui va pas? T'as eu peur? T'occupe pas de ce qu'il raconte. Le père dit qu'il est perturbé parce que ses parents le laissent souvent tout seul. C'est pas grave. Est-ce que c'est vrai que l'autre veut te tuer? Faut que je rentre. Salut. Est-ce que tout va bien, Chris? Ça va, mon chéri? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Où viennent ces paquets? Oh, c'est plusieurs élèves de ma classe qui m'ont fait des cadeaux. Moi, j'ai aussi une petite surprise pour toi. Ce sont des lettres qui étaient à la poste avec seulement ton nom dessus. Elles viennent de tout le pays. Ce sont des gens qui veulent te dire qu'ils te trouvent très courageux et à quel point ils admirent ce que tu as fait. Je veux qu'on rentre à la maison. Bien sûr, mon ange. Drôlement chouette, maman. C'est même plus que chouette. C'est magnifique. C'est fou ce que j'ai le trac. Oh, tout se passera bien. Toutes ces répétitions vont porter leurs fruits. Janelle, je suis très fière de toi. Quelqu'un arrive après l'explosion survenue à l'intérieur. Ah! Jones vient de marquer son. La police a traité les victimes de criminels notoires. Mais il existe une autre façon d'aborder les choses. Je suis ici en compagnie de la petite fille d'un des deux hommes. Peux-tu me dire ce que tu ressens depuis qu'on a tué ton papa? Mon papa me manque. Je comprends pas pourquoi on l'a tué pour un magnétoscope. Approche, petit. Pourquoi tu as tué mon papa? Chris, tu
ferait bien de commencer à préparer. Janelle est déjà partie. Comme vous voyez sur ces images, le bâtiment a été dévasté sur les trois étages. Allez. Non, ça m'étonnerait. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. C'est... Comment va notre petit héros? Allez, venez, on va essayer. Bobby Lee, félicitations. Vous avez un garçon que tout le monde dit. Oh, je suis, comme vous devez le dire. Bonjour, Ravi. Et alors, Bobby Lee, ça c'est de la bonne graine. Ah, chers amis, bonjour. Bonjour, monsieur le maire. La mairie a été submergée de coups de téléphone. Les gens estiment que je devrais décerner à Chris un prix ou peut-être même une médaille pour ce qu'il a accompli. Qu'est-ce que t'en dirais, mon garçon? Oh, bien, ça ne pourrait être qu'un honneur. Oh non, j'en ai pas besoin. Qu'est-ce que tu dis? Mesdames et messieurs, la ville de Warburg vous souhaite la bienvenue à l'élection de sa Miss Interlycée. Asseyez-vous, s'il vous plaît, que nous puissions commencer à admirer ces charmantes demoiselles. Au revoir, monsieur le maire. Bonne chance. Merci, monsieur. On ne fait pas de messe basse quand les couilles de monsieur le maire s'adresse à vous. Eh bien, t'asseoir. Mais avant toute chose, il m'apparaît indispensable que nous rendions hommage à notre plus célèbre jeune citoyen, Chris Holland. Allez, mon garçon, lève-toi que nous puissions te faire honneur. Allez, fiston, allez, viens. Bobby, je crois vraiment qu'il ne tient pas du tout. Ces gens te rendent hommage, Chris. Tu dois te lever par respect pour eux. Debout. Chris, laisse-nous te montrer combien nous sommes fiers de ce que tu as fait. Tu as contribué à améliorer la sécurité de cette ville. C'est bon, Bobby. Achète-toi. Ça va, mon chéri? Merci. Merci beaucoup, Chris. Merci. Bon, laissons 12 de nos plus talentueuses et de nos plus belles filles entrer sur scène. Pour toi, Barstow. Là, Sinclair. Assieds-toi, Earl. J'ai vaguement entendu dire que tu avais l'intention de t'en prendre à une certaine personne que tu n'aimais pas. Pourquoi vous venez me trouver, moi? C'est Trace Cookson qui s'est fait buter, non? C'est lui qui a laissé une orpheline. Vous allez faire quelque chose pour elle? Trace Cookson exerçait une dangereuse profession. Pour lui, c'est réglé maintenant. C'était légal, c'était loyal, et on n'en parle plus. Sauf qu'il en reste un troisième qui a disparu dans la nature. Tu n'aurais pas une petite idée là-dessus, par hasard? Regarde-moi quand je te parle! Je te préviens, s'il arrive quoi que ce soit à ce môme ou à sa famille, et je te parle même pas d'un petit bleu,
Tu seras pour moi le seul responsable. Et qu'est-ce que vous me ferez, Sinclair? Vous me foutrez en tôle? Gardien, ouvrez-moi cette putain de porte! Compte sur moi pour pas t'oublier. Tu pourras même plus te moucher sans qu'on vienne me le dire. Et maintenant, le moment que nous attendons tous. La gagnante de cette année est... le numéro 13, Mademoiselle Meredith Canty. Applaudissons bien fort cette nouvelle Miss Interlycée. Toutes mes félicitations. Tenez. Je sais que Janelle espérait être élue et qu'elle a travaillé dur pour être la meilleure, mais ça n'est jamais qu'un propos de bouquet. Ce n'est pas que ça. C'est ça, plus le reste. Tu es sûr, fiston? Il n'y en a pas un que tu as l'impression de reconnaître? Ça ne fait rien, mon ange. Ne vous alarmez pas trop à cause de ça, mais il faut que vous sachiez que des amis de Cookson ont proféré des menaces à votre égard. Vous nous dites que des amis de ce bandit ont proféré des menaces contre nous et vous nous demandez de ne pas nous alarmer? Oui, je sais. En fait, je suis quasiment certain que ce n'est que du vent. Le chef de la bande est sous les verrous et c'est lui le plus dangereux. Et que se passera-t-il s'il sort de prison? S'il demande la liberté sur parole, je me chargerai d'empêcher ça. Et que faites-vous de celui qui s'est enfui? Vous avez les moyens d'empêcher ça, comme vous dites? J'ai compris. On déménage. Vous allez vous débrouiller pour régler ça, et je vous conseille de faire vite. Mes hommes sont en train de... Mon fils de 11 ans en a eu deux, et vous, avec toute une brigade de police, vous n'êtes pas fichu d'avoir le troisième. Oh, Billy, je suis aussi frustré que vous l'êtes par cet état de fait. Mais nous détacherons un homme pour veiller sur votre fils et sur votre famille aussi longtemps que nos moyens nous le permettront. Oh, magnifique. Alors ça, c'est vraiment parfait. Patsy, ta réaction est absurde. Warburg est une petite ville. C'est pas parce qu'on changera de maison qu'on sera plus en sécurité. Écoute, je ne sais pas ce qui est le plus absurde, mais je suis sûre qu'on ne pourra jamais oublier tout ça en restant dans cette maison. Et puis comme ça, le temps que cette bande retrouve notre trace, la police aura déjà attrapé le troisième homme. Tu veux quitter la maison dans laquelle tu as passé toute ta vie de femme mariée? J'ai consacré beaucoup de samedis et de dimanches à cette maison, et elle fait partie de nous. Je n'arrive pas à faire un pas dans cette cuisine sans voir ce mur plein de sang. D'accord, Patsy, très bien. Alors dis-moi seulement où on va trouver l'argent. Où est-ce qu'on va trouver l'argent pour changer de maison? J'ai un client dont la maison est sur le point d'être saisie. Son prix sera très raisonnable. Et si on n'arrive pas à vendre la nôtre? Alors c'est nous qui finirons par être saisis. Ça m'est égal. J'irai à l'armée du salut plutôt que de rester ici une semaine de plus. Enfin, tu ne comprends pas que cette famille a besoin de repartir à zéro? Il s'en tamponne complètement que ce gosse est descendu Trace. Au lieu de ça, c'est à nous qui s'en prennent. Son père n'arrête pas de passer à la télé en braillant comme un dingue que son môme est un héros. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Earl? Tu veux que je m'en occupe? T'as qu'à te tenir prêt. Mais je veux être aux premières loges. C'est un truc que je dois à Trace. Il comptait sur moi pour que je le couvre. Faut faire les choses quand c'est le moment, Rémi. T'as compris? J'ai pas envie que ça foire parce que t'auras foutu la merde. C'est plutôt amusant, non? C'est un peu comme si on faisait du camping dans une nouvelle maison. Plus besoin d'avoir des policiers toujours autour de nous.
Moi, j'ai l'impression que ma vie est toute chamboulée. J'ai un examen demain et je sais pas où sont toutes mes affaires. Je peux sortir de table? Lave d'abord ton assiette. Moi aussi, je peux sortir de table. Toi, tu restes encore une minute. Tous les deux, il faut qu'on parle. J'ai rencontré ton entraîneur de foot aujourd'hui. Il m'a dit qu'il t'avait nommé capitaine. Comment ça se fait que tu ne me l'aies pas dit? Il s'est passé beaucoup de choses en même temps, alors... Il faut vraiment que j'aille faire mes devoirs. Tu sautes le dessert pour aller faire tes devoirs, maintenant? Je m'occuperai de ton assiette, Chris. Tu peux te lever. Merci, maman. Je m'inquiète beaucoup pour la santé de ce petit. Et moi, je te dis que ce petit a moins de problèmes que nous. Il vient d'être nommé capitaine de son équipe, nom d'un chien. Je me demande si on ne devrait pas l'emmener voir un psychothérapeute. Oublie ça tout de suite. C'est déjà à peine si on arrive à payer cette maison et toi, tu veux t'offrir un psy pour soigner un problème qui n'existe pas. On se sentira un peu plus chez nous en attendant d'avoir des nouveaux rideaux. Pourquoi tu as déchiré cette feuille? C'était complètement nul. Comment ça se fait que ton père rentre si tôt? Déjà là, mon chéri? Oui. La boîte veut m'envoyer faire un stage de perfectionnement au Texas. Il faut justement que ça tombe maintenant avec tout le boulot que j'ai à faire ici. Oh non, non, c'est impossible, n'y va pas. On a beaucoup trop besoin de toi. Pas de si, mon avancement dépend de ce stage et il n'y en aura pas d'autre avant au moins un an. Allô? Oui, Chris, c'est pour toi. Et tu peux pas leur dire que tu iras la semaine prochaine? Enfin, chérie, tu crois pas qu'ils vont décaler tout leur programme pour les beaux yeux de Madame Hollande? Allô? Attends, je vais demander. Davy voudrait savoir si je pourrais aller chez lui demain après l'école. Non, non, je veux que tu rentres. Patsy, ne recommence pas, s'il te plaît. Ce gosse va voir son copain et c'est tout. C'est bon, je crois que je peux venir. D'accord. Salut. Attrape. T'étais pas obligé de faire tes devoirs maintenant? J'ai presque fini. On n'aura même pas eu le temps de s'amuser un peu. Tu devrais rentrer la chienne avant qu'il pleuve, Davy. Allez, viens. Le tonnerre me rendait un peu nerveux, moi aussi, quand je suis revenu du Vietnam. De temps en temps, ça me le fait encore. Je suis pas nerveux? C'est aussi ce que je voulais croire au début. Puis un jour, j'ai entendu ce bruit et tout m'est revenu. Je pensais que j'étais le seul à qui ça arrivait, mais après, j'ai découvert que c'était pareil pour beaucoup d'autres. Et toi, tu repenses jamais à des choses?
Chris, ce que tu vis, je l'ai vécu. Je sais l'effet que ça fait d'avoir tué. Et d'entendre tout le monde te dire que t'es un héros alors que toi, tu sais que t'en es pas un. Chris, regarde-moi. La vie, ça peut faire beaucoup de mal, parfois. J'avais 17 ans quand j'ai su à quel point ça pouvait faire souffrir. Je me doute que ça doit être plus dur à 11 ans, mais moi, j'en ai vu le beau. Alors, tu peux y arriver aussi. Le truc, c'est de te dire que c'est normal de ressentir tout ce que tu ressens. T'es pas obligé de te prendre pour un héros, même si tout le monde te dit qu'il le faut. Ta mère est en avance? Il n'y a même pas une demi-heure que t'es là. Alors chercher les affaires de Chris dans le salon. Attends, je vais avec toi. Bonsoir, Lonnie. Bonsoir, Patsy. Tu veux un petit café? Oh non, merci. J'ai pas tellement de temps. Bobby Lee doit m'appeler du Texas à 6h pile et il faut que je passe faire quelques courses à l'épicerie. Patsy, ton fils n'est plus le même petit garçon. Ce monde va exploser si vous n'essayez pas de lui parler de ce qui se passe en lui. C'est malsain de faire comme si presque rien ne s'était passé. Lonnie, est-ce qu'il t'a parlé de... C'était inutile. Davy m'a parlé de ses problèmes avec les autres élèves. Problème? Mais il est très bien noté, même beaucoup mieux qu'avant. Patsy, ce môme est au bord de la dépression. Il se bat comme un diable pour être ce parfait petit héros que tout le monde lui demande d'être. Bonsoir, mon chéri. Bonsoir, maman. T'as toutes tes affaires? Allez, viens, ton père va s'inquiéter s'il n'y a personne à la maison à 6h. Oui. Merci de m'avoir invité. Quand tu veux, Chris. Au revoir, Davy. Salut. Au revoir. Tu te souviens de ce que j'ai dit à Bobby Lee l'autre jour? Ce gamin a besoin de parler à quelqu'un. Tu connais Bobby Lee? C'est une tête de mule. Je sais, je le connais depuis plus longtemps que toi. Mais mon offre tient toujours. Merci, Lonnie. Bonsoir. Maman, pourquoi est-ce que papa n'aime pas Lonnie? Oh, il l'aime bien, c'était son meilleur copain avant. Pourquoi? Tu as parlé avec Lonnie? Non, c'était juste pour savoir, c'est tout. Ça se fait que les lumières sont allumées. Je ne sais pas, j'étais tellement pressée ce matin que je suis peut-être partie en oubliant d'éteindre. Non, maman, il y a quelqu'un. Mais non, mon chéri, je suis partie en laissant allumer ce matin, c'est tout. Il y a quelque chose qui bouge, regarde. Non, tu l'as imaginé. Non, je l'ai vu. Mon chéri, c'est l'orage et tous ces éclairs qui te rendent un peu nerveux, rien d'autre. T'assure que tout va bien. Restez ici, je reviens tout de suite. Non, maman, n'y va pas. Non! C'est mieux d'y aller avec elle. Oh non, non, me laisse pas tout seul ici, bon, s'il te plaît. Viens. Non. Non. Ça suffit, Chris. Non. Patsy, c'est toi? Oui, Bobby Lee. On vient juste d'arriver. Qu'est-ce qui se passe? T'as l'air bizarre. Non, tout va bien. Seulement, en rentrant, on a trouvé tout allumé. D'accord. Surtout pas de panique. Les enfants sont avec toi? Non, ils attendent dans la voiture. Je viens d'entendre du bruit dans le salon. Je vais aller voir ce qui se passe. Non, Patsy, je veux que tu appelles Sinclair. Non, je suis sûre que c'est rien du tout. J'y vais, je reviens tout de suite. Tu ne quittes pas, d'accord? Patsy, va d'abord chercher le revolver. En haut du placard, près de la porte de derrière. La clé est dans le tiroir de l'entrée. J'ai la clé. Va le chercher, juste au cas où.
Bah, puisque tu veux pas sortir, on va y aller en voiture. S'il te plaît, fais pas ça, Janelle. Non, je veux pas aller là-bas. Arrête, non, non. Je veux pas y aller. Laisse ça, Chris, calme-toi. Je veux pas y aller, arrête, non. Arrête, ça suffit, ici. Calme-toi, Chris. Arrête, maintenant. Non. Oh, regarde ce que tu m'as fait faire, elle est noyée. Comment ça se fait qu'elle revient pas? J'en sais rien. Il faut qu'on aille voir ce qui se passe. Non, je veux pas aller là-bas. Je veux pas y aller, Janelle. Sors de là, Chris. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi. Mais je veux pas y aller, Janelle. Laisse-moi. Je veux pas. Non. Pourquoi? J'en sais rien. Non. J'en ai marre de tout. Ce que tu as fait, c'était moche et je ne supporte plus. Tu vas venir avec moi, je te dis. Non, je veux pas. Non, je veux pas y aller. Non, je veux pas. Tu vas venir avec moi. Laisse-moi, Janelle, s'il te plaît. Pardon, je te demande pardon, je te jure que je voulais pas faire ça. Seulement Chichi. Il s'était échappé de sa cage. Rien de grave. C'était seulement Chichi. Allez vous déshabiller dans la cuisine. Vous êtes trempés. Je lui dis pas comment j'ai réagi tout à l'heure. Elle le dira à papa. Tiens, Janelle. Maman, Chris était mort de peur. Il fallait le dire. Chris, maintenant, il faut que tu me parles. Je veux que tu me dises ce qui ne va pas. Tu m'entends? Il n'y a rien qui oh, va je pas. Je t'en prie, Chris, ne me mens mais pas. Mais je mens pas. Bonjour. Oh, te voilà enfin. Oh, c'était pas si long. Chris m'inquiète tellement, j'en suis malade. Oh non, Patsy, tu vas pas recommencer. Non, je ne veux pas parler de la façon dont il a réagi l'autre soir. Non, non, c'est qu'il a des prises de bec avec d'autres garçons à l'école. C'est lui qui t'a dit ça? Non. C'est Lonnie. Lonnie. Pourquoi est-ce que t'as été lui parler de ça? Chris ne me parle plus comme il le faisait avant. Il ne veut pas me dire ce qui se passe dans sa tête. Il garde tout. Il se renferme sur lui-même. Ton petit garçon est en train de grandir. On atteint un certain âge et ça devient difficile de parler à ses parents. Alors il faut qu'il parle à quelqu'un d'autre. Chérie, si tu ne veux pas qu'il aille voir un psychothérapeute, pourrais-tu au moins essayer de permettre à Lonnie de lui parler? Je pense vraiment que ça pourrait lui rendre service. Non. Et pourquoi non? Parce qu'on règle ses problèmes en famille. C'est comme ça que faisaient mes parents et c'est comme ça qu'ils m'ont appris à faire. Mais on ne règle rien du tout ici. Bon, si cet enfant a besoin de parler, je suis son père et on parlera tous les deux. Et quand? Je vais l'emmener camper ce week-end. Camper ou chasser? Tu sais aussi bien que moi que ce gosse a toujours rêvé de venir à la chasse avec moi. C'est la seule idée que tu as. Tu n'en as vraiment pas d'autre. Tu as besoin d'avoir un fusil entre les mains pour être un bon père. On sera de retour dimanche soir. Janelle et moi, on sera chez Sandy. C'est surtout toi qui as peur, Patsy, c'est pas lui.
sais pas ce que j'ai appris? Il paraît qu'ils vont donner une médaille au gamin pour avoir tué Trace. On va pas les laisser faire, hein? Comment qu'on va s'y prendre? D'abord, allez m'en jeter un. Après, je m'en jetterai un deuxième. Et après, on pourra commencer à parler sérieusement. Ah ouais? Ah, bon sang. J'avais oublié comme c'était bon de se retrouver dans la nature. Non, attends. Je vais y arriver. Écoute, je sais que t'as très envie d'essayer ma 30-30, seulement... il faudra que tu sois très prudent avec ça. Cet engin a un sacré recul. Tiens. Merci. Je crois qu'il faut qu'on parle d'une ou deux petites choses tous les deux. Alors, ce serait peut-être aussi bien de le faire tout de suite, comme ça, après, on sera tranquille. Ta mère m'a dit que tu avais des ennuis avec des camarades de classe. Est-ce que c'est vrai, ça? Oh, c'est juste deux ou trois imbéciles, c'est rien. Ils racontent des tas de trucs, mais ils savent même pas de quoi ils parlent. Ça te contrarie beaucoup? Oh, non, pas tellement. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, tout va très bien. Bon. Tu sais, en s'y mettant aussi tard, ça m'étonnerait qu'on voit grand-chose, mais... tout ce qu'on verra sera pour toi. Merci. Je t'assure que la première fois, c'est... c'est une chose qu'on n'oublie jamais. Allez, perdons pas de temps. Ça y est, le voilà, fiston. Attends, laisse-le d'abord s'approcher un peu. Tu inspires à fond, tu expires à moitié et tu presses. T'auras qu'un seul coup, fiston, tu le sais. Vas-y, Christine. Vas-y, tire, fiston. Tire. Bien passé? Oui, oui. Chris est un peu malade, alors on est rentré plus tôt. Qu'est-ce que tu as, mon petit amour? Allez, fiston, viens te mettre au chaud. Allez. Qu'est-ce que Sinclair fait ici? Alors, le Barstow est sorti de prison. Je croyais qu'on pouvait compter sur vous pour l'empêcher de sortir. La seule explication, c'est que cet abruti de juge d'application des peines n'a même pas lu mon rapport, parce que je vous jure bien qu'il était absolument formel. Allez, va, Chris, rentre vite à la maison. Oui, oui, ne reste pas dehors, mon chéri. Dépêche-toi. Viens avec moi. Bon, voilà notre homme. Qu'est-ce que vous comptez faire, au juste? Je ferai tout ce que je pourrai faire. Je vous mettrai sous surveillance jour et nuit. Vous l'avez déjà fait? Eh bien, je recommencerai. Nous avons peu d'effectifs, mais vous serez protégés, je vous en donne ma parole. Je peux avoir cette photo? Bien sûr. Cette histoire est en train de détruire notre vie de famille. Si je pouvais, j'irais déterrer les deux autres, je les tuerais moi-même une deuxième fois. On fait le maximum pour être de bons parents.
On fait tout ce qu'on peut pour protéger nos enfants, mais il faut qu'une vacherie nous arrive de nulle part. Et on ne peut... On ne peut rien y faire. Dis-moi ce qui s'est passé, s'il te plaît. J'ai pas fait exprès. Le coup est parti tout seul. Qu'est-ce que c'était, maman? C'est rien. Retourne te coucher. Va dormir. Allez, va. Qu'est-ce que tu faisais dans ton lit avec cette carabine? Pourquoi cette carabine était chargée, surtout? C'est pas ce que je t'ai appris. Je la mets près de mon lit tous les soirs. On sait jamais, ce type pourrait revenir. Tu veux me dire depuis combien de temps est-ce que tu dors avec cette arme, Chris? Depuis combien de temps est-ce que tu fais ça? Depuis un moment. Je vois que l'hystérie a fini par gagner toute cette famille. Il me semble évident que t'es pas prêt pour ça. Non, je suis pas. Je suis responsable, tu me l'as Chris, dit. Chris, c'est uniquement pour ton bien. Et voilà, c'est sûrement Fred Phillips. Je vais régler ça, mais ça fera pas très sérieux. Je t'ai dit d'aller te coucher. J'ai cru entendre un coup de feu. Oui, j'étais en train de nettoyer mon fusil et le coup est parti par accident. Mais tout va bien sinon. Vous devriez rentrer chez vous, histoire de dormir un peu. Vous êtes sûr? Oui, oui. Tout va très bien. Alors d'accord. Maman, s'il te plaît, demande-lui de me la rendre. Allons, j'en ai besoin. Recouche-toi, allez. J'en ai besoin, dépêche-toi, maman. Dépêche-toi de te recoucher, je vais rester ici avec toi. Il faut que tu essaies de dormir maintenant. C'est fini. Voilà, dors maintenant. Qui est là? Johnny. Qu'est-ce que tu veux? C'est moi qui l'ai appelé. Je croyais t'avoir dit non. C'était pourtant clair. Le seul tort que j'ai eu, c'est de ne pas réagir plus tôt. Chris était un enfant tranquille, adorant le skateboard. Et voilà qu'un jour, il tue deux hommes. Et toi, tu te comportes comme s'il ne s'était rien passé. Notre fils est en train de perdre la raison et il est plus important que ta fierté. T'as mis ton grain de sel là-dedans dès le début. Comment ça se fait que ça t'intéresse tant? Quand il vous arrive une chose comme ce qui est arrivé à Chris, c'est difficile de recoller les morceaux. Parce qu'il n'y a personne auprès de vous pour vous dire comment faire. Je veux seulement faire ça pour lui parce que personne ne l'a fait pour moi. Tu peux continuer à croire que nous n'avons besoin de personne. Mais Lonnie a fait tout ce chemin en plein milieu de la nuit pour aider Chris. Et j'ai bien l'intention d'écouter ce qu'il a à dire. Tu peux entrer, Lonnie.
On ne demande pas à devenir un héros, ça vous tombe dessus. Un jour, ils m'ont lâché dans cette jungle, ils m'ont dit, tue l'ennemi avant qu'il te tue. La première fois que j'en ai vu un, je suis devenu dingue. J'ai jamais eu aussi peur. Je me suis mis à tirer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien dans le chargeur. J'ai même failli me réduire le pied en bouillie. Ah, je te jure qu'au temps où on était au lycée, on n'avait encore rien eu. Tu crois qu'on est plus avancé maintenant? Quand t'es revenu, t'as fait comme si aucun de nous n'était assez bien pour toi. Et aujourd'hui, 25 ans après, tu reviens pour vider ton sac. Bobby Lee, ça suffit comme ça, écoute-le plutôt. Quand je suis revenu, j'étais plus rien. J'ai commencé par essayer d'en parler, seulement aucun de vous ne voulait entendre. Pour tout le monde, j'étais un héros, mais moi, je vivais la peur au ventre. Et j'étais sonné. Tu peux pas savoir ce que c'est. Que de regarder la vie s'échapper d'un autre être humain en sachant que t'en es la cause. Aucune journée ne se passe sans que je repense à ça. Ce qui t'est arrivé, ce qui est arrivé à Chris, c'est pas pareil. Mais enfin, qu'est-ce que tu en sais, Bobby Lee? As-tu seulement une fois dans ta vie pointé une arme à feu contre une autre personne? J'aurais dû aller là-bas. Mais je devais labourer le champ de mon père et m'occuper de ma famille. Mais personne t'en a jamais fait le reproche. T'as pas été là-bas et estime-toi heureux. Mais ton fils et moi, on a été confrontés à une vision de la mort que beaucoup de gens ne connaîtront jamais, et heureusement pour eux. Au cas où tu l'ignorerais, l'enfance de Chris est morte le jour où il a tué. J'avoue que je sais pas trop ce que je dois faire. C'est arrivé. Ne laisse pas Chris se débrouiller tout seul comme j'ai dû le faire. Tu dois commencer par arrêter de glorifier ce qu'il a fait et t'intéresser à ce qu'il ressent au plus profond de lui. C'est à toi de lui permettre de te confier ce qu'il éprouve. Bobby Lee, il est temps qu'on prenne certaines choses en main, toi et moi. Pour que Chris sache qu'il ne traverse pas ça tout seul. Au revoir, Pa. À ce soir, ma chérie. Au revoir, Pa. Travaille bien à l'école, fiston. D'accord. Au revoir. Au revoir. Des photocopies de ceci pour qu'on puisse en distribuer dans toutes les classes de l'école. Croyez-vous qu'une école puisse se prêter à ça? Si c'est pour la sécurité des enfants, je le crois, oui. Merci. Écoutez-moi, vous allez tous regarder cette photo très attentivement quand la première est fait passer. Si jamais vous voyez cet homme, vous irez tout de suite trouver un instituteur ou bien voir le principal et vous nous direz où vous l'avez vu. À cause de toi, toute l'école va se faire tuer. Qu'est-ce que tu feras après? Arrête, Samy, ça suffit. Laisse-moi le faire. Laisse-moi m'en occuper. Hein. T'excite pas comme ça. Cool, Rémi. Tu vas te défouler bientôt. On va se défouler tous les deux. Doucement. 4 à dans 5. Intervention aux locaux de la Compagnie Générale d'Électricité, code 2. Qu'est-ce que c'est, Nora? Une alerte à la bombe à la Compagnie Générale d'Électricité. Vous êtes l'unité la plus proche. Contact avec le chef de centre pour un... J'y vais tout de suite.
Allez, les derniers. Ça y est, je la vois. Elle est toujours à la traîne. Ça prouve qu'elle aime l'école. Allez, voilà le bus. Allez, à demain, Kelly. Et dis donc, le flingueur, va falloir que tu prouves que c'est vrai tout ce que ton père arrête pas de raconter à la télé, hein? Parce que sinon, on va s'occuper de vous. Chris? Nathan! Mais dépêche-toi de lui ouvrir cette porte! Ça y est, c'est ouvert! Alors, mon chéri, bonne journée. Je peux rentrer tout de suite. Quelque chose qui ne va pas? Non, mais je vais rentrer directement. Alors, on y va, maman? Oui, on commandera une pizza. Maman, c'est eux. Qu'est-ce qu'on va faire? On va rentrer dans la maison, on va rester calme et appeler... Dépêche-toi, maman, vite! Janet, ouvre la porte, allez vite! Mais j'ai pas la clé! Tiens! Tu calme-toi. Toi aussi, Janelle, reste calme. Mais j'y arrive pas, maman. Viens, Chris. Mais dépêche-toi, dépêche-toi. Reste calme, Janelle, j'en prie, reste pas, calme. Montre-toi, le héros. Ne reste pas là, Chris. Non, arrête, Janelle, ne l'éteins pas, il faut que la police vienne ici. Oh, pardon, pardon, j'y ai pas pensé. J'ai pas fait exprès, maman, j'ai pas fait exprès. Calme-toi, prends le téléphone et... Prends le téléphone et appelle la police. Allez, viens, Chris, allez, aide-moi, s'il te plaît, aide-moi. Assieds-toi. Allons, allons, du calme maintenant, mon chéri. Allez, allez, dépêche. Il faut que tu te calmes un peu. Appelez la police. Ne bouge pas d'ici, toi. Donne-moi ça. Appelle la police. Dépêche-toi, Bobili. Je ne vais pas mourir, Janet. Maman. Tu ne vas pas mourir, mon ange. Tu ne vas pas mourir. Chris, baisse-toi. Allons, ma chère. Attends un peu que je t'ai réglé ton compte. Et que je fasse chouchou avec ta grande sœur. Mais ils vont nous tuer. Ils ne vont pas nous tuer, Janet. Arrête, calme-toi, ils ne vont pas nous tuer, calme-toi. Ma chérie, calme-toi. Oui, Janelle, calme-toi, personne ne va nous tuer. La police va arriver, Janelle, tu m'entends? La police va arriver d'une minute à l'autre. Viens, 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 Janelle. Reste ici. Arrêtez! Michel compte chez moi! Laissez ma famille tranquille! Ah,
Chanel. Attention à tes yeux. Allez-vous-en. Fichez le camp de ma maison. Fichez le camp de ma maison. T'as vu ce que tu viens de faire à ma bagnole? J'ai l'impression que ça va te coûter cher. Je vous ai dit de partir de ma maison. Laissez ma famille tranquille. Laissez-nous tranquilles. Chris. Tuer personne. Et je veux plus jamais faire de mal à personne. Maman, je t'en prie. Tout ce que je veux, c'est que vous nous laissiez tous tranquilles. S'il te plaît, maman, non. Je t'en prie, non, maman. Fais pas ça. Maman, non. Ce que j'ai fait, je suis allée leur parler. Tu aurais pu te faire tuer. Mon Dieu, ce que j'ai eu peur. Il fallait que j'arrête ce type. Tu n'as pas à te sentir responsable de ce qui s'est passé. Tu n'as pas à essayer de racheter une faute que tu n'as pas commise. Moi, je veux plus vivre en ayant toujours peur. J'en ai assez de toujours te décevoir comme ça. Je veux que tu sois fier de moi. Je t'aime, Chris. Je t'aime, fiston. Je t'aime. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose de spécial pour que je sois fier de toi. Mais je suis pas ce que tout le monde dit que je suis. Je suis pas un petit héros. Ce que tu viens de faire, Chris, c'était la chose la plus courageuse que j'ai jamais vue de toute ma vie. Tu as avoué que tu avais peur. C'est ce qu'il y a de plus dur à faire. Ce que je vais te dire, fiston. Ta maman et moi, on t'aimera toujours. Il peut arriver n'importe quoi, tu comprends ça ?